Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une ouverture que tout le monde connaît sur un des meilleurs produits qui est sorti en 2019. Je veux bien évidemment parler du pouvoir du duel. Bon, vous l'avez tous déjà vu, ouvert, fermé. C'est un produit qu'on voit partout. Mais dedans, il y a des cartes qui m'intéressent encore et je me dis pourquoi pas faire une petite vidéo rétro puisque maintenant ça date de l'année dernière, donc dès que ça a un nom, c'est du rétro hein, parce que ce n'est pas du Salomon Grand, ce n'est pas le tout dernier box qui sont sortis, mais ça reste du bon, tout est bon dans le cochon. Le pouvoir du duel. J'en avais déjà ouvert une sur la chaîne et donc c'est la deuxième. Allez. Le tapis qu'on connaît tous. Et surtout, moi c'est les boosters qui m'intéressent plus que les cartes promo. Mais on va les voir en même temps, on sait jamais, supposons, pour x ou y raison, ils ont fail, ce serait rigolo. Alors, on a un magicien sombre, ouais. Le Neos, héros élémentaire. Le dragon poussière d'étoile, numéro 39, Utopie. Le dragon pendule aux yeux impairs. Et le décodeur bavard en Link. Voilà, chaque carte qui est l'archétype d'une des séries Yu-Gi-Oh! Qui est sorti jusqu'à présent. Allez, on prend tous les boosters. Il y en a 6 en tout. On va faire 6 petits boosters à ouvrir. On va poser la bobette au fond. Et on va les ouvrir. Normalement, je crois qu'il m'en reste pour le cadre. Mais je suis pas tout à fait sûr. Mais par précaution, je vais en ouvrir un le plus correctement possible. On va faire une ouverture ASMR un jour. Pour le fun, ça pourrait être rigolo. Alors, ok, ça commence bien, c'est une carte que je ne connais pas du tout. Le Laurier Magique Farstar. C'est une carte équipement. Donc ça permet d'équiper un monstre Farstar. Ensuite, nous avons le gadget argent que je me suis fait chier à acheter il n'y a pas longtemps, donc c'est super. Nous avons ensuite le Kaleidoscope Nécrose. Sceptre Séraphin Étoilé. Étoile, plutôt, pardon. Et l'Enchanteur Cybers. Nice. Bah, franchement, c'est bien. Ça commence bien, j'ai envie de dire, cette petite ouverture. Ça fait plaisir. On a changé un petit peu le décor, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait appel à des techniciens stagiaires. Enfin, ils m'ont refait le décor en arrière-plan. Alors, qui tout double. L'orchidée araignée près de la plante. Le gadget or. Gookie le grand ogre. Et Nécrose de Valkyrus. Alors que le deck Nécrose est encore joué actuellement en plus. Ensuite, nous avons carte d'exécution, âme éternelle. Ça me fait rire parce que j'ai fait un deck magicien sombrière et voilà, en plus coup double des magies des ténèbres. Et du coup, je m'étais dit, ce serait marrant que j'ai un deuxième âme éternelle. Et j'ai un deuxième âme éternelle. Double coup de magie des ténèbres. Nécrose du clam... Du quoi? Du clémo? Du cléum? Oui, ça, du cléum soleil. Monstre rituel, je connaissais pas. Miroir nécrose. Enfin, c'est le monstre rituel Nécrose, mais je ne sais pas. Allez. Ensuite, nous avons Pioche scintillante. Cercle magique sombre. Ah, bon, on a été spoilé de d'après. La forme du chaos. Le gadget or. Et oh, beauté fantôme et manoir hanté. La trappe qui fait plaisir. Ça, c'est la petite surprise. En vrai, j'aurais bien voulu qu'il sorte juste ces boosters-là aussi, il faudrait qu'il les sorte. Alors, le dragon charge Borel, le coup double de magie des ténèbres, putain, il est belle cette carte, Nécrose de Clémo de Soleil, miroir Nécrose, et pioche scintillante. Il nous en reste plus qu'un. Oh, j'aurais voulu avoir des petits monstres héros, je suis un peu triste. Allez, allez, allez. Alors, carte d'exécution. Cercle magique sombre, forme du chaos, gadget or, et gadget argent. Oh non, mais non, mais... c'est dommage. Bon, après, c'est des cartes qui vont prendre de la valeur avec la nouvelle extension pour magicien sombre. Du coup, c'est assez sympa, je pense que... Je pense hein, qu'elles vont prendre de la valeur, j'en sais rien, mais je suppose. Mais voilà, je suis quand même content parce qu'il y a des petites cartes qui vont pouvoir renforcer certains de mes decks pour les lives, donc ça va être cool. Moi sur ce, je vous fais des gros bisous les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture. Profitez-en pendant qu'il est encore trouvable, le pouvoir du duel, il est pas exceptionnellement cher, les cartes que vous avez qu'il y a dedans, comme vous avez vu, elles sont vachement sympas. Avant qu'il soit retiré du marché, ça pourrait être sympa, que vous puissiez vous en procurer un. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à plus.